savoir gérer, conserver son foyer. Madame, laissez-moi passer, s'il vous plaît. Mais, ma fille, moi, j'ai déjà fait le grand chemin. Toi, tu es à l'entrée. Laisse-moi sortir et puis tu passes. Encore une mauvaise journée avec une sorcière. Hey, oui. Tu m'appelles sorcière? Je t'appelle pas sorcière, que tu es quoi? Hey, laisse-moi passer. Ne me gâche pas la journée. Hey, ma fille, je suis déjà au bout. Tu es au bout? Oui. C'est ce que tu veux? Okay. Laisse-moi passer, la vieille. Hey, ma fille. Quand tu me regardes là, je ressemble à ta fille? Ou je ressemble à une fille que tu peux accoucher? Hey, s'il te plaît, laisse-moi passer. Je sors. Ouais. Ma fille, laisse-moi passer, puis tu vas passer. Je suis au bout du chemin. Les sorcières, je peux passer. Tu peux passer, s'il te plaît. Mais ma fille, moi je suis à la sortie. Laisse-moi passer, puis tu vas passer après. Qu'est-ce qu'il y a que cette femme me donne cette étiquette de ma fille, ma fille, ma fille? Madame, laissez-moi passer, vieille sorcière là. Laissez-moi passer. C'est même quelle histoire ça? Hein? Ma fille, ma fille. Tu peux m'accoucher? Tu peux avoir une fille. Pas bien. Hein? Tu as fini de manger les enfants des gens la nuit, les mâcher. Et maintenant tu verses ça sur moi. Vieille sorcière. Comment elle pleut comme les sorcières? Mais madame. Qu'est-ce que cette dame vous a fait? Pourquoi vous êtes une méchante? Pardon? Comment est-ce que tu m'as appelé madame? Madame? Oui. Quand tu me regardes, je suis là. Hein? Appelle-moi fille, ok? Attendez, vous n'avez pas de cœur. Vous connaissez ce que cette femme a fait? Elle vous a fait quoi? Elle m'a fait quoi? Je suis au tribunal alors. Hein? Je suis au tribunal. Non. Vous voulez copier aussi? Vous voulez copier? Tu veux montrer que tu es une fille de bonne famille, non? Et maman, qu'est-ce qu'il y a? Oh! Regardez, deux vieux sorciers comme ça. Si on vous a envoyé cacher mon rendez-vous, vous ne mourrez pas. Vous avez compris, non? Appelle mon fils. Appelle mon fils. Pardon? Elle fait comment? Anissé. Elle appelle qui? Anissé. Comment ça? Hein? Mon elle téléphone! Fils. Elle a appelé ton fils. Ok. Mon téléphone. Je vais te tenir de tête comme ça. Je vais. Regardez-moi ça. Appelle mon fils. Jusqu'à celle-ci. Je peux parler. Chiegué. Bande de jet comme ça. Hein? Vous savez où j'allais? Elle m'a même sali, elle m'a même sali. Elle m'a même sali, qu'est-ce que je vais faire d'elle? Mais non, je pue là. Je pue la saleté partout, partout. Maman, je suis désolée. Saleté.
dire, vous me voyez arriver, personne ne vient m'accueillir. Hey. Ok, maman. Moi, j'ai sonné. Ah, maman, toi aussi. Moi aussi, quoi? On est dans les commentaires. Et puis quoi? Maman, j'aime trop te fâcher. Le bébé, toi, j'aime trop jouer au bébé. Aïe. Mon blanc. Bien, bébé. Aïe. Assois-toi, maman, assois-toi. Ouais. Ouais, tu sors d'où comme ça, maman? J'étais là, je n'avais rien à faire. Oh, okay. J'ai dit, je me dégoûtais les gens en venant te rendre visite. Oh, okay. Celui de Rodrigue là, il n'est jamais chez lui. Toujours en train de se balader. Anniversaire. Toi quand même, je sais que le week-end, quand tu ne travailles pas, après ton sport, tu es à la maison. Mais Rodrigue, c'est comme s'il avait mangé la queue du chien. Ah, maman, il a rien à faire, je Alors, ça va? Je peux dire. Ah, ça va. Il n'y a que le dos qui me fait encore mal depuis que la sorcière de la fille m'a repoussé. Mais ça va, le traitement. C'est pas bien. Mm-hmm. C'est vraiment un triste souvenir. Je t'ai dit que j'étais arrivée au mauvais moment, au mauvais endroit, avec une mauvaise personne. Très mauvaise personne. Cette fille, que Dieu la pardonne. Parce que. J'ai la personne, cette fille. Merde. Je lui manquais seulement les cornes. Ah. Mais toi là, je ne suis pas contente de toi. Pourquoi, maman? Comment peux-tu m'expliquer le fait que nous soyons dans la même ville? Tu me parles d'une fille que tu aimes. Et tu ne la présentes pas. Je ne connais pas si elle est noire, si elle est brune, si elle est géante, si elle est couteau, si elle est... Est-ce que c'est normal? Tu me dis seulement que c'est un ange. On cache un ange. Non, maman, ne te fâche pas. Oh. Ne te fâche pas. Je ne pouvais pas te présenter une fille parce que je n'avais pas encore fait mon choix. Hmm. Ça veut donc dire qu'elles sont beaucoup. Tu as beaucoup de copines alors. Hey. Non, maman, je suis rectificatif. Ah. Je fréquentais. Ah, ok, au passé. Maintenant, j'ai fait mon choix. Tu as fait ton choix. Oui, maman. Et Dieu merci. D'ailleurs, aujourd'hui même, tu m'as fait la rencontre de ta future belle-fille. Yamoi. N'a de gamme, n'a de bine. Mais maman, mais maman, c'est pas toi, hein? Hein? C'est pas toi. Pardon, crache le morceau. Assois-toi, la meilleure est stabilisée. Raconte, dis donc. Mais maman, le mois prochain, nous irons faire son toque pour sa donne. Mariage civil et religieux. Trois en un. Comment on a dit ça? D'autres. Attends, non, toqué porte. D'autres. Mairie. Mairie et église. Hé! Hey! Quatre en un. Pardon, prends ça. Super. Ça, c'est super. J'ai décidé de faire honneur à mon maman. Ça, c'est bien, papa. Tu attends ça. Hé, hey, papa. Et j'ai pris la résolution que non. Hmm. Et Dieu m'a envoyé cette fille. Oh. Ah oui. Parce que tu l'apprécies. C'est un ange. Elle est. Je me demandais que est-ce qu'on cache un ange. Oh, elle est docile. Elle est quoi la soumise. Maman, elle est belle. Soumise, respectueuse. Oh. Maman, je pense que le docile, c'est un bon choix. Super. Parce que moi, pour l'avoir étudié à fond. Bon, il faut déjà... Il faut déjà sélectionner ceux qui vont t'accompagner pour la dot. Il faut que ton oncle Ebigetier Simon, depuis Edea, qu'il soit là. Il faut que ton oncle Jéloga Emmanuel Emagic, comme il aime se faire appeler Emagic. Faut noter ça, Rodrigue. Non, je te dis, c'est toi qui dois les appeler. Voilà. Oui, il doit être là. Il y a encore qui est. J'ai oublié qui. Voilà. Il y a. Élise des Champs-Élysées. Oh. Elle sera au Cameroun. Elle sera au Cameroun le mois prochain. Elle va assister. Élise des Champs-Élysées. Elle va mettre. Tu as oublié ton cousin Maurice Miguel. Mais oui. Voilà. Wow. Sera là. Tonton Evin Falois, c'est tout le village. Il y a ton neveu Kambi Wasege. C'est un garçon. Il doit être là. Voilà les personnes qui doivent t'accompagner. Voilà. Il y a le couple Ananga. Ananga. Le couple Ananga, Rachel William et son mari Maestro. Le couple le plus... Aïe!
Non, le couple là, c'est fini seulement. Le couple le plus glamour, Rachel, William et Maestro. Hey, c'est la vantadise que tu veux voir le jour là. Tu sais que ta belle fille arrive tout à l'heure. Ok. Attends, il y a aussi MNG. Ouais, ne me perturbe pas. Il y a aussi MNG, le papa de Kevin. Voilà. Ok. Il doit être là. On le père. Quelque chose à boire, maman. Maman, tu as soif, non? Bien sûr. Ok, on va te prendre quelque chose. Mais entrons dans la maison, la soif là dehors, il fait chaud. D'accord, il faut même que je m'allonge un peu. Aïe! Tu prends deux, non glacés. Ça. Eh, papa, je ne vais pas aimer ça pour aimer quoi? Hein? Maintenant, là, il faut vivre l'instant présent. Les gens meurent. Les gens meurent. Il y a deux choses maintenant là-dehors. Quand ce n'est pas le poison, c'est AVC. Quand ce n'est pas le poison, c'est AVC. Seigneur. Hey, regarde la jeune mariée qui est morte l'autre jour, le jour de son mariage. En plein mariage, devant ses invités, devant son époux et ses enfants. Seigneur, ça fait mal. Seigneur, épargne-nous ça. Dieu d'amour. Prends pitié, oh. Prends pitié. Prends pitié de ton serviteur, papa. Prends pitié de ton serviteur, ta mamie, qui connaît ce trésor que tu as rappelé auprès de toi. Que son âme repose en paix. Prends pitié de ta servante, Orgel Kensop, alias Mamiton, que tu as rappelé auprès de toi. Que son âme aussi repose en paix. Prends aussi pitié de cette fille. Je ne la connaissais pas, mais ça me fait mal. Parce que. Eh, Seigneur, la famille, vous qui empoisonnez les gens là, AVC, ou c'est lancé, ou c'est naturel, Seigneur, on te confie tout. Tu es le Dieu de vengeance, tu es le Dieu de rétribution. Pardon, allons me donner ma pierre de poids. Que le Seigneur donne la force et le courage à ce jeune monsieur qui a perdu son épouse. Lui seul, qui garde ses enfants. Lui seul, il n'y a que lui seul. Amen. Ah. Yes. Mon beau, c'est trop amusant. Yeah. Hi, mon chéri. Merci, mon chéri. C'est super. C'est une belle console pour ton mariage, ça. C'est mon grand-père, moitié. Mon grand-père, j'ai hâte de voir ma belle-mère. Je suis heureux. Ça va. Oh, tu es ravissant. Comme toujours. Mais le mois prochain, tu sauras comment tu es belle comme ça. Laisse-moi. Laisse-moi, arrête ça. J'ai hâte de voir le aïe. Ah, maman, tu es réveillé. Oh, viens d'aller. Maman, c'est ta belle fille. Qui t'a pensé, mon fils? Mais chérie, tu fais le combat. Tu peux laisser ma maman, quoi? Non, mon cœur. C'est pas les choses de femme, on va s'entendre. Ma belle-mère. C'est quoi? Je ne comprends rien. Mais peux-tu me dire ce qui se passe, chérie? Je ne la comprends pas. Tu fais le clin d'œil. Non. Tu me fais le clin d'œil. Ah non, t'es une méchante. Tu es machiavélique. Mais maman, qu'est-ce qui se passe? As-tu déjà vu cette fille avec un homme? Ah non! J'aurais préféré mon fils. J'aurais préféré que ce soit le cas. Que je l'ai rencontré avec un homme. Que. Il ne me fait plus aucune d'eux. Mes enfants, c'est d'elle que vous me vantiez toutes les éloges là. Mais c'était maman, c'était. Oh! Elle est ange. Elle est quoi là?
soumise, humble, généreuse, affectueuse. C'est elle ici là. Mais c'est non, maman, c'est bien moi. C'est bien maman. C'est quoi maman? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Lâche vite mon fils. Lâche vite mon fils. Cette diable, c'est Lucifer à personne. Il ne marche juste les corps. Je te jure, avant que je me charge ta vie, il refasse ton portrait. Que j'étais au bout du chemin jusqu'à me traiter de sorcière. Mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Au moment où je crois que j'ai trouvé la perle rare, c'est pas possible. Maman, t'inquiète pas, c'est fini. Elle est partie, t'inquiète pas, c'est fini. Je mets une croix sur elle à l'instant. Calme-toi, maman, calme-toi. Tu ne la reverras plus jamais. Merde. Mais c'est pas possible, les femmes. Maman, t'as vu d'autres bières? Non, ça va. Trois bières, c'est suffisant pour moi. Mon prince. Comment tu vas? Tu ne m'as pas l'air de quelqu'un qui va bien. Au contraire, je te trouve très chagriné. Dis-moi, qu'est-ce qui te préoccupe? Tu as raison. Tu sais, je ne cesse de penser à cette jeune fille qui t'avait aidé. Ah! Elle qui est tombée là. La petite Danielle. C'est une fille très gentille. C'est une fille bénie de Dieu. Comment que Dieu bénisse cet enfant. Les mots me manquent pour la qualifier. Et puis, elle me rend régulièrement visite. Elle m'a même rendu visite il y a quelques jours. Oui. Tu sais, vraiment, je l'ai déjà invité deux fois. Mais je n'ai pas pu lui faire part de mes sentiments. De peur qu'elle me repousse. Tu sais, maman, elle a fait très jeune. Elle me l'a dit. Oh. Oui. Maman, quand vous parlez, elle t'a parlé de moi. Elle a prononcé mon nom. Elle m'a dit que tu l'as amené au restaurant deux fois. Et quand tu dis qu'elle a pas trop petite, est-ce que les sentiments ont quelque chose avec ça? Non. Quand l'amour est réciproque, l'âge c'est le détail. Et puis, elle t'apprécie beaucoup. Ah bon?
elle t'apprécie beaucoup. Et puis dis-moi, Alice, bien qui prendra toute cette timidité? Hein? Non. Depuis quand tu es timide devant la femme? Une femme te plaît, tu ne lui déclares pas ta flamme, pourquoi? C'est pas ça, maman. C'est quoi donc? C'est la peur d'être déçu. Non. Tu sais, je sors d'une déception terrible. J'ai peur avec sa jeunesse qu'elle ne puisse pas comprendre. Tu sais, il y a un adage qui dit qui ne risque rien n'a rien. Fonce. D'accord, maman. Je le fais, je viens tout de suite. D'accord. S'il te plaît, aide-moi à appeler Audrey. Qui me cherche une moto course. On va prendre toute la journée. Mais tu ne vas pas aller ta voiture comment? Non, maman. Il y a les embouteillages. Je ne veux pas perdre le temps. Ah, ok. D'accord. Attends, je t'aide. Je l'appelle pour toi. Hey. Qui m'apporte, qui l'appelle pour toi en course. Même pour toute la journée. N'est-ce pas? Oui. Alors, Rodrigue, ton grand-père demande de venir avec une moto. Et tu dis à la moto de... Bref, la moto va t'amener ici à l'automne et la même moto va accompagner ton grand frère Anala. Voilà. C'est une course pour toute la journée. Oui, moi-même, je lui ai parlé de sa voiture. Il a dit que c'est pour éviter les embouteillages. Il ne voulait pas se retrouver en train de laisser sa voiture en route. Oh, arrête de poser la question. Dis-le, on va chercher la moto. Dépêche-toi, Rodrigue. Oh. D'accord. Ok. Ok. Mon petit frère est souvent lent dans ses actions. Quand j'entends le bruit de la porte, je peux te dire que c'est Rodrigue. Ah oui, c'est Rodrigue. Maman, je te fais signe, maman. Ok, je te rappelle. Que Dieu t'accompagne. D'accord. Bonne chance. Merci. Quel mot t'a piqué mon grand frère? C'est plutôt la flèche de Cupidon qui l'a piqué. Ouais. On dirait encore le démon de midi. Maman, ne me dis pas ça. Bon appétit à tous. Merci. D'accord, maman. Comme je sais que tu n'aimes pas les pancakes, j'ai prévu les vacances. Les vacances. Oh là là, ça c'est une belle fille qui me maîtrise. À moins d'un an de relation, elle connaît tout. Jusqu'à même tonton, je regarde qui fait des éloges, ne fait qu'apprécier Daniel. Ah oui. Tu sais, Rodrigue, on attend ton tour. Hein. Tu présentes ta part à maman quand? Non, il a raison. Daniel, tu vois le jour de ta dos, il y avait plein de belles filles là. Si Rodrigue ne nous présente pas une fille de Sito, tu vas chercher une là-bas. On nous colle ça au dos. Maman, c'est la force. Oui, c'est le faux. Un bail. Ah, mon petit. Tu sais comment il est souffert entre les mains de maman? Ah oui. Ah, ça va pas même la force dans mon père. C'est plus comme avant. Ah. Il faut rentrer dessus. Ah, tu dis pas. Ça va aller. D'accord. Je vais faire mon tour. Oh. Ah! Il a vu. Ah! Maman, Audrey, j'ai une très grande nouvelle à toi.
Tu n'as trouvé pas ma route. Êtes-vous prêt à entendre ce que j'ai à vous dire? Pardon, parlez vite, mes oreilles sont ouvertes. Pleine de toi-même. Maman. Vous êtes prêt à entendre la nouvelle? Ouais, je dis que mes oreilles sont ouvertes. J'ai même déjà bien nettoyé. Maman. Oui. J'ai le plaisir de vous annoncer que ma chérie Coco Daniel est enceinte. Ta belle-fille, coucou! Merci Seigneur! Wow. Merci mon Dieu! Accrocis-toi, I'm feeling very well. My heart, I know it did I After the disaster, let me be happy. I hope I'm believing Jesus and only now. With Jesus, I'm feeling very well. My heart, I'm let me die. Il faut que je l'aie ton mari. Le mariage est une chose. Ma copine sert le fort. Service au foyer, on est une autre.